5 conseils pour ne plus rien attendre des autres. Attendre beaucoup des autres conduit souvent à la déception. Les attentes empêchent les gens de vivre, et c'est la meilleure façon d'être malheureux. Parce que se permettre d'attendre trop d'une personne, c'est attendre quelque chose sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. C'est pour cette raison que nous vous proposons 5 conseils qui vous permettront de ne plus rien attendre des autres. Nous vivons entourés d'attentes, dont beaucoup sont irréelles. Lorsque vous vous voyez subir des déceptions l'une après l'autre, vous réalisez qu'il est temps de changer votre façon de voir les choses. Peut-être que cesser d'attendre trop des gens est une bonne alternative. Attendre trop des autres conduit à la déception. L'attente de ce qui ne viendra jamais ou de ce qui a peu de chances d'arriver nous amène à être déçus. Pensez que vous ne devez rien attendre de qui que ce soit parce que vous ne pouvez rien contrôler en dehors de vos propres actions. Pour vous libérer et vous permettre de laisser tomber ce fardeau d'attente irréel dans lequel vous avez déposé votre confiance, nous vous invitons à suivre ces 5 façons qui peuvent vous aider à cesser d'attendre trop des autres personnes. 5 façons d'arrêter d'attendre trop de choses des autres. Apprendre à différencier les attentes en matière de dépendance. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez souvent blâmé les autres pour votre propre bonheur. Par conséquent, la façon dont ils agissent influencera votre état émotionnel. Vous dépendez des autres parce que vous les avez rendus responsables d'une partie de vous qui n'appartient qu'à vous. Il est impossible d'être heureux si vous dépendez continuellement des autres pour vous sentir bien. Apprendre à lâcher ces chaînes qui vous emprisonnent et laisser de côté les attentes vous permettra de voir que le bonheur est entre vos mains et que vous en êtes seul responsable. Acceptez que vous ne recevrez pas toujours la même chose en retour. On nous a toujours dit que si nous donnons, nous ne devons pas nous attendre à recevoir quoi que ce soit en retour, mais au fond de nous, nous voulons toujours être récompensés d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous attendons des autres qu'ils agissent de la même manière que nous le faisons pour eux. Cela ne fait que nous enfoncer dans une situation où les attentes prennent le dessus. Accepter les autres comme ils sont est la clé, car tous ne fonctionnent pas de la même manière que vous, et ne voient pas les choses telles que vous les voyez. Quand vous faites quelque chose pour une personne, vous devriez être heureux de la façon dont vous avez agi, non de la façon dont celle-ci vous a remercié. Ne jamais idéaliser une personne ou une situation. Les attentes sont chargées de situations idéales. Par exemple, dans une relation, il se peut que nous voyons l'autre personne comme idéale et sans défaut, mais cela change au fil du temps, provoquant ainsi de grandes déceptions. Idéaliser une circonstance ou une personne vous empêche de penser que tout peut changer et pas toujours de la meilleure façon. Cela vous blessera, vous décevra, et vous ne réaliserez pas que vous avez été le coupable d'être dans l'attente. Idéaliser, c'est croire en un rêve qui ne se réalisera jamais. Nous avons tous des défauts. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question si quelqu'un a été déçu par vous. Peut-être que quelqu'un s'attendait à quelque chose de votre part, mais vous n'avez pas répondu à ses attentes et cela lui a causé une grande déception. Nous sommes tous imparfaits, nous devons donc nous accepter tels que nous sommes. Que diriez-vous de commencer à accepter au lieu d'attendre ce quelque chose qui ne viendra jamais? De cette façon, si quelqu'un agit mal, vous l'accepterez parce que vous n'attendiez rien de lui. D'un autre côté, s'il agit bien, vous serez agréablement surpris. Attendre trop des autres ne sera jamais positif.
Si vous êtes fatigué de déception, de voir les gens changer d'avis d'un moment à un autre, de la façon dont ils agissent selon ce qui leur convient, alors il est temps d'arrêter d'attendre beaucoup d'eux. Moins vous attendez des autres, plus vous êtes heureux. Attendre beaucoup des autres est aussi un signe d'égoïsme. Se préoccuper uniquement de ce que les autres peuvent vous offrir selon votre vision des choses est très subjectif, au lieu de voir ce que vous pouvez faire pour eux. La seule personne de laquelle vous devriez attendre des choses est vous-même. Accepter les autres tels qu'ils sont, ne vous permettez jamais de dépendre d'eux pour être heureux et libérez-vous de toute dépendance qui vous empêche de suivre votre chemin. Arrêtez d'attendre et commencez à vivre pour de vrai. Mmh.